pour sa grâce et pour sa miséricorde. Et surtout pour ce culte présentiel qui a été interrompu pour plusieurs mois. Et vous connaissez vous-même la raison. À cause du coronavirus. Le corona bel enviata. Mais nous rendons gloire à Dieu du fait que nous sommes encore revenus dans nos temples. Il est vrai que plusieurs églises n'ont pas encore ouvert. Mais nous croyons que dans les jours à venir, elles ouvriront également leurs portes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et l'abbé. Hey yo, Yesu nyonami, epe lolo la, esoko nami, eyata ta, hey, oh, ya. Parce que tu es grand, parce que tu es souverain, tu es puissant. Merci Seigneur de nous ramener encore dans ce temple, dans ta présence, pour te louer, pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour cette œuvre, Seigneur, que tu as accomplie. Nous voulons te confier ce moment précieux où tu vas nous parler. Nous nous inclinons devant toi et nous nous inclinons, Seigneur, dans ton onction. Nous prions que l'onction, Seigneur, de ta puissance, de ton esprit soit sur nous. Et que le message que tu as mis dans nos bouches, Seigneur, soit transmis au nom de Jésus. Ouvre les attendements de ton peuple afin qu'il écoute ta parole. Et que cette parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Sois béni et sois exalté. Parce que tu l'as fait au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu réponde plus fort. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible et nous lisons le contenu du message que le Seigneur a mis sur nos cœurs à partager avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 49. Ésaïe, le prophète, chapitre 49, le verset 14 à 17. Ésaïe à tabla ne voici le cœur. Jean disait: l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent
ceux qui t'avaient détruite et ravagé sortiront du milieu de toi. Isaïe tabla ne voici les quelques qui ouais ne soyez de ouais Andrea question ben Yahweh Agblem dit après toi là Ngolombe de nyonu Anglo epe vijebea eye epe domé Agbe trotrode epe domé vinua ne wa Ngolombe ha nyea nyemanglo be o poda menglode nye asinu wogli ole nkunye meda vio gbona afochochoe tro la o ple gble o la o atu le meo ajo amen amen dit amen amen. Je voudrais vous parler de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Que signifie la faveur? Selon le dictionnaire, la faveur signifie la bienveillance. Cela signifie également la protection. Ou bien une considération et préférant dont on jouit de quelqu'un. Allô, Bouboudé Amenou, et Wonou Adje Amede Todji. La considération et la préférence qu'on peut jouir de quelqu'un. Bouboudé Amenou, allô, Leike et Nouo, l'Adje Amede Todji Amede la Poe et Nou l'Adje Dine. Et nous pouvons dire également que la faveur, c'est un avantage ou un privilège bénéficié par quelqu'un. Et Miateng Blobena, Amenou Vevea, et Nye Nadeike. Et je crois que ce matin, au sorti de ce culte, Dieu nous fera grâce, il nous fera voir sa faveur. Amen. Que faut-il faire, bien-aimé, si nous voulons attirer la faveur de Dieu dans nos vies? Parce que quoi qu'on dise, nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin de sa faveur sur cette terre, dans cette vie. Sans la faveur de Dieu, nul ne peut rien, bien aimé. Elle a benou kake blomo le à l'olonto, mien rien maou pe nou blani kokpo, mien rien maou pa menou beve la nyikba ya di la gbeyame. Et ma manomea, ma de ke mate wana de keo. Nous avons besoin de la bienveillance de Dieu. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mien rien maou pe dome tro tro de mianti, mien rien maou pa me takpoko, mien rien maou pa menou beve. Nous avons vraiment besoin que Dieu soit avec nous. Mais comment implorer la faveur de Dieu dans nos vies? La première chose, il faut la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel. Le texte que nous avons lu nous relate un tout petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Israël avait marché avec Dieu. Israël est quand ils sont arrivés sur la terre promise, ils ont marché, le peuple ou le peuple d'Israël a marché avec son Dieu, l'Éternel des armées. Mais à un moment donné, le peuple a fait dos à Dieu et s'est tourné vers d'autres dieux, les petits dieux. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre son peuple. La bienveillance de Dieu n'était plus sur le peuple. Le peuple d'Israël ne jouissait plus de la bienveillance, de la protection de Dieu. La clôture spirituelle qui était sur ce peuple a été enlevée. Et des fléaux ont commencé à s'abattre sur ce peuple. C'est pourquoi au verset 14, ce peuple pouvait crier en disant, oh, l'Éternel nous a abandonnés. Cela voudrait dire que la grâce de Dieu a disparu, la bienveillance de Dieu a disparu, la protection de Dieu fait défaut.
duko ya ten glombe na Yehowa glemidi e ya gomenye bena maupa menu veve maupa metakpokwa e deda maupa me bonono me gava lewotio. Le peuple a commencé à se plaindre, à crier et à pleurer vers l'Éternel. Duko va je la lamba jeli dodo javi fam do da Yehowa gbo. Oh Seigneur, nous voulons revenir encore vers toi. Mie dira ga trova gbo ok. Oh Seigneur, nous voulons abandonner les dieux là que nous avons suivis. Nous voulons couper notre relation avec le monde, avec le mal, avec le péché. Seigneur, nous voulons maintenant vivre avec toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, errer encore dans le monde. Nous voulons vivre uniquement que dans ta présence. Et lorsque le peuple a crié vers Dieu et l'Éternel a écouté les cris de son peuple et a vu la disposition de son cœur, l'Éternel a résolu en lui que le peuple est maintenant prêt pour revenir encore sur la bonne voie. Alors l'Éternel eut encore compassion envers son peuple et envoya son serviteur le prophète Élie, le prophète Ésaïe, pour aller parler à son peuple. Et c'est pourquoi le prophète pouvait dire, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Au verset 15, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu est encore d'actualité. La bienveillance de Dieu est d'actualité. Si le monde entier pouvait revenir à Dieu, Dieu sera avec ce monde. Regardez comment cette pandémie causée par coronavirus est en train de gangréner le monde entier. Cette pandémie est en train de nous dicter sa loi. Regardez comment vos visages sont. Parce qu'il faut se protéger. On ne sait pas si l'autre a la maladie ou pas. Il faut se laver les mains. Il faut utiliser les désinfectants. Il faut la distanciation. Et autre chose. Et plus loin encore, nos cultes, les heures de nos cultes sont réduites. Coronavirus est en train de nous dicter sa loi. Mais si le monde entier pouvait se repentir, revenir à Dieu, s'accrocher à Dieu, reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu créateur, la bienveillance de Dieu va nous visiter. La faveur de Dieu va nous visiter. Cette pandémie sera enrayée. Et le monde entier va reprendre son cours normal au nom de Jésus-Christ. L'économie va revenir à sa place. Dites amen si vous croyez. Amen. Pour toi. Ne crains pas, parce que tu connais l'Éternel. Que sa bienveillance, sa faveur soit avec toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton service, partout où tu seras. Que la bienveillance de Dieu soit avec toi. Si vous croyez, dites amen. Amen. Nous
Nous ne mourrons pas, bien-aimés. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. David tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants vivront, ta femme va vivre, ton mari va vivre. L'église va vivre. L'église va vivre. L'église va vivre. Parce que la bienveillance de Dieu viendra nous visiter. Praise the Lord. Alléluia. Quel est ton cœur, l'état de ton cœur ce matin? Est-ce que tu es prêt à revenir vers Dieu? Abandonner toutes les mauvaises voies. À faire dos au monde et à courir dans la direction de Dieu. Si tu le fais ainsi, même si tu es maudit, Dieu te bénira. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. La deuxième chose, nous velia, si nous voulons attirer la faveur de Dieu dans nos vies, il faut la foi dans les promesses de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a fait beaucoup de promesses dans sa parole. C'est pourquoi il pouvait dire à son prophète, à son serviteur Esaïe, au verset 17, il disait au peuple, au verset 16 et 17, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont devant mes yeux. Nous devons avoir la foi dans les promesses de Dieu. Si nous voulons attirer la faveur de Dieu dans nos vies, sur nos maisons, sur nos services, nous devons, bien aimés, avoir la foi dans les promesses de Dieu. Nos noms sont gravés dans les mains de Dieu. Ton nom est gravé dans la main de Dieu. Tes murs sont constamment devant Dieu. Dieu te connaît, il te voit, il sait là où tu es, il sait qui tu es, il te connaît. Ne crains pas. Il faut avoir la foi dans la promesse de Dieu. Même si toute l'économie du monde entier est en problème, en difficulté, parce que Dieu nous connaît et a écrit nos noms dans ses mains, nous allons manger. Nous allons nous vêtir. Nous allons construire. Nous évoluerons au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui a tout créé est notre Père. Il est ton Père. C'est lui qui a tout créé. Praise the Lord. Alléluia. Pour lui appartient. Rien ne fait défaut à Dieu. Tout appartient à Dieu. Est-ce que vous avez la foi dans les promesses de Dieu? Le prophète a parlé au peuple pour que le peuple revienne en lui-même. Tes murs sont constamment devant moi. Et le verset 17 dit, tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagé. Tes fils accourent. Tes bénédictions courent vers toi. Ta guérison court vers toi. Ton rétablissement court vers toi. Ta promotion, ton élévation court vers toi. Oh, alléluia. C'est ça la promesse de Dieu. La place que tu dois occuper dans la société, cette place est en train de courir vers toi. Ce que Dieu t'a dit depuis que tu as donné ta vie à Christ, cela court vers toi au nom de Jésus-Christ. Tes fils courent, ils courent vers toi. C'est la promesse de Dieu. Il faut croire cette promesse. Et ceux qui t'avaient ravagé,
pour tes ennemis. La Bible dit, ils sortiront du milieu de toi. Coronavirus sortira du milieu de toi. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tes ennemis sortiront du milieu de toi. Parce que tu connais un Dieu. Ce Dieu, il est au-dessus de tout. Ce Dieu, c'est mon Père. C'est ton Père. C'est mon roi. C'est ton roi. C'est mon Seigneur. C'est ton Seigneur. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. C'est mon papa. C'est ton papa. Il faut croire. La foi dans les promesses de Dieu. Nous devons marcher comme des gens qui sont vivants. Nous devons vivre la parole de Dieu. Ne marchons pas comme des gens qui sont désespérés. Avec les mains derrière. Et on court. Et on marche. Comme si on n'a personne. Même si dans ta famille il n'y a personne. Dieu est avec toi. Même si tout le monde est mort. Et il n'y a personne dans la maison. Toi tu es vivant. Tu es la lumière de cette maison. Tu deviens la lumière de cette famille. Ce n'est pas en vain tu portes le nom de ta famille. Ce n'est pas en vain je porte le nom de ma famille. Si on m'appelle à Kholou, ah, ça veut dire que je porte la lumière de cette famille. Parce que l'Éternel Dieu est mon Père. Alléluia. Amen. Le nom avec lequel on t'appelle. Tu es la lumière de cette famille-là. Parce que tu portes un grand Dieu avec toi. C'est ça la promesse de Dieu. Quand vous ne connaissez pas ça, et que vous voulez vivre comme le monde est en train de vivre, se lever, se lamenter tout au long du jour, ça ne va pas. Je vais mourir. Je ne mange pas. Il y a ceci. Il y a cela. Non. Ça, ce n'est pas chrétien. Même si on n'a pas mangé, à midi, avec la foi, le soir, on mangera. Je dis, tu mangeras. Il faut avoir cette condition et marcher avec ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Dans le livre de 1 roi, le chapitre 17, à partir du verset 2 au 7e. 1 roi 17, verset 2 à 7. N'allons pas le lire à cause du temps, mais nous voulons relater un tout petit peu l'histoire. Il y a eu une grande famille en Israël. Parce qu'il ne pleuvait pas. La Bible dit 3 ans et demi. C'est-à-dire 3 ans, 6 mois. Et il n'avait rien à manger. Rien du tout. Il ne pleuvait plus. Regardez, le coronavirus a amené la sécheresse financière. La sécheresse financière pas. Au marché, il a la sécheresse. Dans les services, la sécheresse. Il en a même qui ne perçoivent plus leur salaire en totalité. Ils sont payés à moitié. Parce que l'entreprise n'est plus en mesure de leur payer leur salaire en totalité. Les pasteurs sont chômés. Que ce soit ici à Lomé ou dans les milieux ruraux, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu chôment. Pas de travail, pas de salaire. Les églises, les membres ne se réunissent plus de salaire. Et Dieu, c'était dans cette condition où Israël avait vécu dans le temps. Pour nous, c'est 5 mois.
Peut-être 6 mois. Oui. Peut-être. Je ne prie pas que ça continue. Je veux que ça s'arrête. Amen. Dites amen là. Que ça ne continue plus au nom de Jésus. Mais au temps du prophète Élie, c'était 3 ans et demi. Et Dieu a envoyé son prophète Élie vers un torrent. Il dit, pars d'ici. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Élie. Pars d'ici. Praise the Lord. Alléluia. Et va vers l'Orient. Voilà, va vers l'Orient. Et là, tu vas vivre auprès d'un torrent. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis quand vous avez vu un torrent nourrir un être humain? Mais Dieu a dit il y aura des corbeaux qui sortiront de ce torrent-là pour nourrir son serviteur. Quelles étaient les caractéristiques de la vie du prophète Élie? Élie était un serviteur de Dieu, un prophète fidèle. Malgré l'apostasie qui sévissait en ce moment, il est resté fidèle envers Dieu. Et la deuxième caractéristique de sa vie, le prophète Élie avait toujours confiance en Dieu. Malgré la sécheresse, il a toujours mis sa confiance à Dieu. Il sait qu'il ne mourra pas dans cette sécheresse. Élie savait que cette famine-là ne va pas l'emporter. Il va survivre. Praise the Lord. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Cette conviction était en lui. Et la Bible dit, lorsque le prophète a obéi à Dieu, et il était allé là-bas, Dieu l'a nourri auprès du torrent. Les corbeaux d'Élie sont encore vivants, mes frères et mes soeurs. Les corbeaux d'Élie sont encore vivants, bien-aimés. Avec la bienveillance et la faveur de Dieu, Dieu enverra ses corbeaux dans vos maisons. Il enverra ses corbeaux au marché. Il enverra ses corbeaux à l'église. Tu mangeras au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien. Dieu est encore avec toi. Il est avec toi. Les corbeaux apportaient, ils mangeaient, ils apportaient, ils mangeaient, ils apportaient, ils mangeaient, ils apportaient, ils mangeaient, ils apportaient, ils mangeaient. Quand la sécheresse a duré, le torrent tarit. Le torrent tarit. Et le serviteur de Dieu s'est mis à genoux. Oh mon Dieu, le torrent est tari. Les corbeaux sont partis. Parti à l'eau dans le torrent, les corbeaux sont là. Maintenant que l'eau a tari, Seigneur, les corbeaux sont partis. J'ai faim. Dieu lui dit encore, mon serviteur, quitte là-bas. Je t'envoie à Zapat. J'ai une veuve. Là-bas, tu vas manger jusqu'à la fin de la sécheresse. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu crée des moyens. Tu n'as pas compris. Je prie ce matin pour toi. Que Dieu crée des moyens par lesquels il va te bénir, par lesquels il va te nourrir. Que Dieu crée des moyens par lesquels il va bénir tes enfants, par lesquels il va bénir ta famille. Que Dieu crée des moyens par lesquels
il va bénir l'église. Il va bénir l'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Tu ne succomberas pas. Tu ne mourras pas. Cette pandémie ne t'emportera pas. Tu vas survivre. Tu vas résister. Tu vas vivre. Et après la pandémie, tu auras des témoignages. Tu auras des témoignages. Glorifier le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Mon Dieu est fidèle. Il va le faire pour que son nom soit glorifié. Soyez bénis et que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Amen, amen, amen. Nous allons dire un mot au Seigneur dans la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Pour respecter la distance. C'est très important. Alléluia. Oh, Kandala Bala. Ah. Alléluia. Kandala Bala. Tu vas dire, Seigneur, je suis entre tes mains. J'implore ta faveur dans ma vie. J'implore, Seigneur, ta bienveillance dans ma vie. Viens me visiter. Seigneur, viens me visiter. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur, hey, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tes bontés ne sont jamais à leur terme. Ta miséricorde ne s'arrête jamais. Elle se renouvelle chaque matin pour nous. Oui, ce jour encore particulier que tu nous as donné est un jour d'une grande faveur. Cette faveur particulière que tu nous as accordée, que de nous retrouver dans ta maison en bonne santé, tu nous as gardé, protégé contre cette pandémie. Aucun n'a été victime pour mourir de cette pandémie. De ceux que tu nous as donnés dans cette église à Djidjolé.
de ceux qui sont nos connaissances, de ceux qui sont nos proches. Quelle grâce et quel privilège que de te connaître et de vivre avec toi. Merci Seigneur. Nous demandons que cette faveur se multiplie pour nous et que les déserts fleurissent pour nous, que ces endroits qui ont tari deviennent des endroits où coule l'eau à flot au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, sois le Dieu qui a nourri Élie pendant cette disette. Tu nous nourriras. Tu t'occuperas de nous pendant ce moment difficile que le monde entier est en train de traverser. Et nous sortirons certainement vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Que nous fassions, nous, la différence. Que nous soyons des personnes de référence. Parce que ta faveur sera marquée particulièrement sur la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Et merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de tout le peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce vous soit vraiment renouvelée.